Salut à tous, Détonton Fred, épisode 87, une courte vidéo, oui, c'est possible, pour vous parler d'un principe qui porte plusieurs noms, que ce soit groupe, métapaquet, collection ou truc muche bidule, c'est-à-dire le principe de mettre en place une espèce de liste pour installer un grand nombre de paquets qui sont dépendants les uns des autres, sans passer par des dépendances. Vous savez, les paquets logiciels, comme j'expliquais dans l'épisode 12, c'est le découpage des logiciels en plusieurs morceaux pour des raisons pratiques, pour gérer tout l'ensemble. Mais si par exemple on a besoin d'installer un environnement en complet, comme GNOME, KDE, Mate ou autre, comment peut-on sûr et certain d'installer l'ensemble? Ne serait-ce que par exemple la base de l'environnement. C'est ici qu'intervient le principe du métapaquet, du groupe, de la collection ou toute mèche bidule. En gros, c'est le principe de la liste. Le gestionnaire de paquets dit « Bon, j'ai telle référence, tel groupe, métapaquet, bref. » Il me dit « Qu'est-ce qu'il me faut ?» Il te faut ça, toute une liste de paquets qui seront installés dès que le gestionnaire de paquets invoquera cette référence, la liste sera téléchargée et installée bien sûr. Donc en gros, c'est l'image de la liste de courses qu'on fait pour l'hypermarché par exemple, parfois qu'on oublie, ça arrive, mais là par contre, lui, le gestionnaire de paquets n'oublie pas. Il dit, bon, j'ai besoin de ça, et bien sûr, inversement, si on veut enlever le truc en question, ça l'enlèvera en enlevant ça, en fonction des dépendances, bien sûr. Donc je vais prendre deux exemples, Debian et Arch Linux. Dans un cas, c'est les métapaquets, dans l'autre, c'est le principe des groupes. Fedora fait la même chose pour les principes des groupes, je crois, avec le système du groupe install. Donc je vais montrer par exemple le métapaquet GNOME. Voilà. Si on prend le métapaquet GNOME pour Debian Stretch, voilà, on voit l'histoire des dépendances. Pour le métapaquet GNOME, il faut Have Daemon, Cheese, Kubespecifier, Desktop-Base. Voilà. Vous avez l'ensemble des paquets qui dépendent. Si on tape apt-get install GNOME, il va installer tout ça, en fonction bien sûr de ce qui manque. Voilà. Ça va installer un ensemble cohérent. Avec des recommandations, des installateurs par fonctionnement, et des suggestions. Voilà. Vous voyez, c'est très petit, mais on sait très bien que GNOME ne pèse pas 33 kilooctets récupérés. Il en pèse plutôt plusieurs dizaines de mégas. Et pour voir, vous montrer justement à quel point le principe des métapaquets a été poussé dans Debian, voici la liste des métapaquets existants. Et je peux vous dire qu'il y en a une sacrée tête à chier. Et si on va dans les métapaquets, là, c'est une sacrée tête à chier. Alors, vous inquiétez pas, je vous mettrai rien dans le descriptif. Et c'est un peu, dirons-nous, ouf. Donc là, GNOME, ça descend un peu en aura Plasma, ou KDE, je ne sais plus, voilà, KDE Full, KDE Plasma Desktop, et ainsi de suite. Ça, c'est le principe des métapaquets. Arch Linux et Fedora ont pris notre principe. Au lieu de créer un paquet spécifique, un métapaquet, ils utilisent le principe des groupes. Ça veut dire que chaque paquet dans les groupes, chaque paquet est indexé dans un groupe. Par exemple, si je prends GNOME Shell, qui est quand même un composant indispensable de GNOME. Voilà, donc je prends GNOME Shell. Bon. Et il me dit, une fois que la page sera chargée, qu'il appartient au groupe GNOME. Ça veut dire que si j'installe le groupe GNOME, il va m'installer dans GNOME Shell. Il m'installera en tout et pour tout, tout ça. Il y a 51 paquets qui seront installés si j'installe GNOME. Par exemple, GNOME Extra. Les extras de GNOME. On en est à 57 paquets de plus. Plasma, par exemple. Pour la base de KDE5. Pas de problème. On apprend que Plasma installe par défaut 44 paquets. Si on prend les KDE applications, là on va dépasser la centaine, facile.
Mais ça permet, au lieu de prendre un métapaquet et de rajouter de la complexité au niveau du nombre de paquets gérés, ils ont préféré l'inverse. KDE application. Là, j'ai fait une petite faute de frappe. Et là, on a presque 166 paquets. Bon, vous voyez le principe. D'un côté, on dit on va générer un paquet complémentaire pour tout lister. D'autre côté, on va dire chaque paquet va être indexé dans un groupe précis. Et ainsi de suite, ça permettra de tout gérer. Voilà. C'est le même principe que ça s'appelle métapaquet, groupe, collection, tout comme spédule. C'est une liste que le gestionnaire de paquets va utiliser pour installer la totalité d'un environnement ou d'un système logiciel nécessaire. C'est ça le métapaquet. C'est un truc simplificateur. Au lieu de taper, par exemple, pour LibreOffice, au lieu de taper LibreOffice, Writer, LibreOffice, Calc, etc., on tape juste LibreOffice et l'ensemble de LibreOffice sera téléchargé. C'est quand même plus pratique. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, que vous aurez compris le principe des groupes, métapaquets, collections, métatrucs bidules. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !